Salut tout le monde, ici iPlay4U, 23e épisode du tome 3 The Lord of the Cube avec cette fois-ci le vif du sujet. Ça y est, on est enfin sorti de l'énorme labyrinthe qui était à l'entrée du Mordor avec la roue du Mordor donnée par Gollum. Alors, labyrinthe assez casse-tête, mais ça y est, je m'en suis sorti enfin vivant. Nous avons tout simplement continué l'exploration du Mordor pour atterrir dans Cirith Ungol. Cirith Ungol qui est une grosse construction de l'équipe. Et du coup, merci d'ailleurs à Pète le Feu pour cette construction. Du coup, on va attaquer les objectifs. Alors, j'ai deux objectifs à faire dans cette immense tour. Le premier, il faut que je trouve les 4 pièces d'armure pour affronter Barad-dûr. Barad-dûr qui va être l'immense dernière construction juste derrière Cirith Ungol. Et ensuite, on attaquera le second objectif qui consiste à trouver les 10 cages où sont enfermés les hobbits. Il y a 10 hobbits qui sont enfermés là-dedans. Il faut que tout simplement que j'aille les libérer. Allez, c'est parti pour un épisode qui, je l'espère, va bien se passer. On va prendre le temps de l'exploration puisque j'ai 10 cases. J'ai 10 cases, 10 cages, pardon, pas 10 cases, 10 cages à trouver. Donc j'imagine qu'elles sont bien cachées. Pop, 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 il va falloir que je me repère. Tiens, regarde, il y a des échelles là-haut, on peut grimper. Tiens, je me demande s'il n'y a pas un truc de Mamie Pétou là-haut. Je me demande s'il n'y a pas une tente de Mamie Pétou. Bon, de toute façon, il doit bien y avoir moyen de grimper. Donc, on peut passer par là, mais j'aperçois des pancartes là-bas, donc on va y aller. Alors, retrouve les 8 Under Eyes éparpillés dans ce fort et pose-les sur cet autel lorsque tu les as tous. Entre par là. Oh! Une petite quête secondaire, tiens, retrouve les 8 Under Eyes éparpillés dans ce fort et pose-les sur cet autel. Oula, il y a de la lave ici. Lorsque tu les as tous, entre par là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, j'arrive pas à voir. Ah, j'arrive pas à voir. Ok, une petite quête secondaire. Bah écoutez, on va voir, hein, pourquoi pas, je vais essayer de la faire. Les 8 Under Eyes. Donc ça doit sûrement être bien caché. On va essayer de trouver tout ça. Ça doit être bien caché. J'aime bien ce genre de petites quêtes secondaires, donc du coup on va voir. On va essayer de les faire. Alors, on peut aller à droite. Pète le feu, le meilleur, il n'a pas écrit cette pancarte. Excellent. Non, ça s'appelle de l'autosatisfaction. C'est bien, il a raison. Alors, ah, tiens. Ça faisait longtemps. Un peu de bois, c'est tant mieux, c'est très bien parce qu'effectivement. Une bibliothèque, ça donne envie de la péter cette bibliothèque. Le truc c'est que j'ose plus casser les constructions. C'est vrai qu'avant, je crois que dans Pirates des Cubes, je pétais tout. Il faudrait que je me mette au point avec l'équipe de savoir si j'ai le droit tout simplement de casser œuf de poule. M'intéresse pas. Est-ce que j'ai le droit de casser pour trouver des trucs? Ouh là là, il y a quoi là-haut? Ah, je peux pas grimper. Dommage. Bon, ok, il n'y a rien ici. Du coup, on se casse. Donc là, je retiens la quête secondaire. Bon, on va passer par là. Passons, passons par là. Ah, il y a un accès ici. Il y a un accès. C'est bien sombre. Allez, hop, je grimpe. Je vais proposer un peu de torche. Alors, je m'attends au pire à chaque fois ici. Niveau parcours d'obstacles. Ça y est, j'ai rejoint un étage. Avec, hop là, regardez ça, un magnifique coucher de soleil là-bas. Et là, la lune qui se lève. On va louper le coucher de soleil, le coucher de soleil ici. J'apprécie beaucoup ce pack de textures, il est vraiment, vraiment bien choisi. Et c'est très agréable. Alors, en face, qu'est-ce qu'on a? Non, c'est pas les conseils de Mamie Pétou. Par contre, il y a forcément des trucs. La construction qui est assez grande. Et quand je pense qu'il y a 10 cages de hobbits, plus 8 Under Eyes à trouver. Mais écoutez, oulala, regardez ça sur la gauche, ça y est. Un parcours d'obstacles pour grimper là-haut. On va finir ce niveau avant d'essayer d'aller plus loin. Hop là. Je me refais quelques torches. J'en profite ici. Ça dégage. Alors, là-bas, il y a pas mal de créatures, pas mal d'orques. Donc, le Mordor, je crois que la suite du Mordor, c'est par là. Il faut que je suive le coucher du soleil. Donc, il faut que je suive par là pour rejoindre Barad-dûr. Mais on n'y est pas encore, puisqu'on a encore toute cette construction à réaliser. Alors, cache 10. Ah, génial, cache 10. Mais comment je fais pour rentrer?
Comment je fais pour rentrer? Il faut que je me crafte des interrupteurs. Aïe, 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 misère. Allez, on va se crafter des interrupteurs. Évidemment, j'ai pas de pierre. Ah, j'ai pas de pierre. Je peux pas me crafter d'interrupteur. Je peux pas me crafter d'interrupteur. Est-ce que ça marche? Tiens, petite question. Est-ce que ça marche si je prends ça? Ça m'étonnerait. On va essayer, de toute façon, ça coûte pas grand-chose. Ah, bah là, il y a de la pierre. Tiens, mais c'est pas vrai d'être aussi aveugle. C'est vrai, vous êtes souvent à me dire que je suis aveugle et vous avez raison. Je dois être aveugle. D'ailleurs, je porte de petites lunettes dans la vie. Je sais pas si vous avez regardé ma photo dans le dernier webzine. Mais je porte de petites lunettes. Et à mon avis, il faut que j'aille voir mon opticien parce que... j'aurai des problèmes de vue. Hop, 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 hop. Voilà, on va en faire peut-être un peu plus. On va en faire un peu plus, ça coûte pas grand-chose. Hop, 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 voilà. Voilà, on va faire une petite réserve d'interrupteurs comme ça. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Hop, hop, hop. Voilà, 10 interrupteurs, ok. Blablabla, blablabla, tiens, pendant que j'y suis... Oh là là, faut que je surveille le bois, hein, parce que là, ça commence à devenir assez tendu quand même. Voilà, ça y est, j'ai refait des torches, tout va bien. Donc j'ai ma potion de force que je garde pour le boss final. Et voilà, tiens, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer aussi. L'équipe m'a dit qu'il n'y avait pas deux boss, mais trois boss. Alors apparemment, je ne suis pas forcément sûr de tomber sur le deuxième boss. On a eu le premier boss qui était Arachné, qui est l'énorme araignée que vous avez vue dans l'épisode précédent, je crois. Le second boss est un boss de dextérité. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je ne suis pas sûr de d'être obligé de tomber dessus. C'est peut-être un boss optionnel, on verra bien. Et il y a donc le troisième boss dans Barak Dur. Donc voilà, je voulais vous dire que j'étais susceptible de rencontrer encore un boss. Pas sûr, mais peut-être. Alors, ok, bon, tout ça pour ça. Merci les hobbits, c'est super. J'ai perdu 3 heures pour un coffre tout pourri. Allez, une cage de hobbits. Je devrais peut-être le noter d'ailleurs, sinon je vais m'y perdre. Hop, sur ma petite feuille que j'ai ici. Elle est où? Voilà. 1. J'ai noté 1. Je préfère noter 1 parce que ça se trouve, je vais pas réaliser les 10 cages dans cet épisode. Et du coup, au moins, je serai sûr. Tiens, regardez, je peux sauter de là pour aller jusque là. Est-ce que c'est pas une mauvaise idée, d'ailleurs? Ah non, regardez, ça, il y a un chemin ici. Bon. Pas facile. Hop là. Allez, on y va. Faut pas que je me vautre. Est-ce que si je me vautre... Bon, ça a pas l'air d'être mortel, surtout qu'il y a de l'eau, regardez. Donc ça va. Ils ont prévu le coup. Ah, là, par contre, je suis pas sûr qu'il y ait de l'eau. Non, il y a plus d'eau ici. On va essayer de faire en sorte de pas se vautrer, hein. Contre... Qu'est-ce que c'est que ces bruits? C'est quoi ce bruit? Moi j'entends des bruits bizarres. Alors, hop là. Là il s'agit pas de se vautrer lamentablement. Il s'agit pas de se vautrer. Oh purée de purée de purée. Geronimo. Non, je sauterai pas de toute façon. Cherchez pas. Yeah, c'est quoi? Ah, c'était de la fumée. J'ai eu peur. Je pose une torche. Il y a de la fumée. J'ai cru. Oh là 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 là. Est-ce que je peux sauter d'ici? Hihi. Oui, il y a un petit truc d'eau. Mais non, je ne sauterai pas. Blablabla. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Oh, ah, super. Et pourquoi il me donne des œufs de poule? Qu'est-ce que j'en ai à péter des œufs de poule? C'est bizarre ça. Alors, on va faire un peu de place. On va prendre ça, évidemment. Et je ne peux rien jeter d'autre. Si, on va garder les œufs de poule. Je sais pas pourquoi ils me donnent des œufs de poule. Et s'ils y sont, c'est qu'ils doivent servir. Alors, je peux pas aller plus loin? Je peux pas aller plus haut? Non, sérieux? C'est fini, là? Et comment je fais pour aller plus loin, plus haut? Y a rien par là? Là-haut? Ah ouais, mais alors là, je sais pas du tout où aller, du coup. Est-ce qu'il faut que je saute là-dedans? Ça va pas, il est hors de question que je saute là-dedans. Ce qui serait bien, c'est que j'arrive à rejoindre... Oh là là, j'ai pas envie de me taper le chemin arrière. Oh, je peux... Je suis même pas sûr que je puisse y aller, si. Oh la vache. Ouh la vache. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Ok, allez, on y va. Adra. Alors, question, est-ce que je peux sauter là? Ouais, ce serait pas mal. On va rejoindre là et on va sauter là. Hop là.
Hop là. Yop, ok, c'est bon. Bon, alors, où est l'autre accès? Hop, je pose des torches. C'est quoi en face? Non, c'est un chevalier, ok. Allez, on va sauter par là. On va sauter par là. Crac. Ok, allez. Alors, tiens, je profite pour voir s'il n'y a pas des secrets, des coffres. Apparemment pas. Bon, c'est mal éclairé ici. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Des squelettes, beaucoup de monstres dehors. Ça... Oh, il y a un coffre là-bas, mais je l'ai peut-être déjà fait. Alors, voyons voir ça. On va passer... Alors, j'ai le choix entre à droite ou à gauche. Tiens, regardez ça, je peux monter. Là, il y a pas mal de choses à explorer. Faudrait pas que je me perde. Qu'est-ce qu'il y a ici? On va essayer de faire les choses dans l'ordre dans lequel je les trouve. Ah, bah c'est l'accès ici, ok. J'avais pas fait gaffe, tiens. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait un accès ici. Touk, touk, touk. Alors, continuons par là. Ce qui serait bien, c'est que je trouve des coffres, parce que si j'ai 8 Under Eyes à trouver et que j'en ai trouvé qu'un, je me demande où sont les autres. Bon, même si ça a l'air encore assez grand. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, un coffre. Ah ah, 2 sur 8. Ok, 2 sur 8, très bien. Ici, je dois pouvoir grimper, je pense. Derrière, pas de secret, pas de secret, pas de secret. Donc ici, on doit pouvoir grimper. À droite, il y a un chemin ici. Il y a un chemin, il y a plein de choses à explorer. Allez, on grimpe. On grimpe, on grimpe, on grimpe. J'espère que ça va aller. Waouh, 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 waouh. Je suis Indiana Jones. Il y a un interrupteur ici, regardez ça. Il y a un interrupteur. Voilà, j'ai appuyé dessus, je suis pas sûr que c'est une grande influence, je suis pas sûr que c'est fait grand chose. Mais bon, dans le doute, c'est fait. Alors, ok. Bon, ben voilà, j'ai passé la nuit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Non, en fait, il y avait plein d'interrupteurs, c'est juste de la déco. Y a rien ici? Oh, puis il se met à flotter. Oh, j'aime pas ça. Rien, pas de coffre, que dalle. À quoi ça sert cette zone-là? On va pouvoir grimper ici, je pense. Oh là là, vraiment pas que je me vautre. On doit pouvoir grimper là-haut. Bon. Allez, on va arrêter là la première partie de cet épisode. Pas de problème, vous inquiétez pas, on se retrouve tout de suite pour la seconde partie. Avec... on va voir si je peux pas grimper là-haut. Allez, à tout de suite.